de tout ce que vous avez dit. Oui, parfois cela m'interpelle. Et je fais bien souvent aussi, avec toute la sincérité requise pour ma responsabilité, le bilan du chemin parcouru dans tous les secteurs de vie, que ce soit au plan de la santé, de l'éducation, de la sécurité, de la paix, des libertés, des infrastructures, de nos besoins en général. Mais mon impression, quand je fais le bilan, et je le fais au quotidien pratiquement, mon impression est que nous avançons, nous progressons, et que le Bénin se révèle à lui-même, s'étonne même parfois des progrès que nous faisons. C'est vrai que la nature humaine est exigeante, et c'est d'ailleurs cela qui fait avancer le monde. C'est pas parce que nous avons des routes, d'électricité, d'eau, une offre de santé qui fonctionne bien, d'une éducation qui fonctionne mieux, que nous allons applaudir dès demain et dire, ça y est, la vie est belle, tout peut s'arrêter. Le monde n'est pas ainsi fait, c'est heureux que ce soit ainsi. Donc je comprends et j'approuve mes citoyens qui nous mettent la pression pour que les choses aillent encore plus vite et que chacun sente, comme on dit dans son assiette, que le progrès se ressent partout, y compris, comme je le dis, dans sa poche. Mais il faut avouer que venant d'où nous sommes partis, la magie est difficile à opérer à une si grande envergure pour satisfaire tout le monde. Et pour ma part, le fait que le pouvoir d'achat des Béninois, la majorité des Béninois n'ait pas augmenté, ce qui est vrai, parce que malgré nos efforts, et bien que les gens travaillent de plus en plus, gagnent parfois même, améliorent leurs revenus, la vie est de plus en plus chère en raison de la conjoncture internationale. Et les denrées que nous produisons ici, même si les prix n'augmentent pas beaucoup, une bonne partie de ce que nous consommons provient de l'extérieur. Et l'augmentation des revenus n'est pas à la hauteur de l'augmentation du coût de la vie. Donc, c'est légitime que les Béninois affichent que le progrès n'est pas encore à un niveau qui améliore le pouvoir d'achat. Mais je continue de dire, d'affirmer que le Bénin va bien parce que nous ne reculons pas, nous avançons et nous parvenons à satisfaire l'essentiel de nos besoins pas à pas, de mieux en mieux. Et je compare le Bénin d'aujourd'hui à celui d'hier, qui était un pays, comme l'ont dit certains, fracassé, pays de désordre, de corruption, où tout manquait. Les quartiers des villes, notamment dans les villes urbaines, sont inondés à la moindre saison de pluie. L'assainissement, personne n'en parlait. L'asphaltage, on n'a jamais connu cela au niveau que c'est aujourd'hui. Vous achetez une voiture il y a 10 ans. Au bout de 4 ou 5 ans, vous commencez à avoir des pannes. Parce qu'il n'y a pas de rue, la route n'est pas asphaltée. Si ce n'est pas votre crémaillère, ce sera les amortisseurs ou les pneus qui vont éclater tout le temps. Vous allez consommer deux fois plus de carburant que la norme. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont pratiquement derrière nous, notamment dans nos villes. Et ça, c'est un signe, ce que le pays avance doucement. Parce que ces choses-là, qu'on a déjà oubliées, sont des acquis intangibles et qui ont fait avancer le Bénin plus qu'on a pu l'espérer. Je vais donner un exemple, pour être un peu concret. Vous connaissez Koundé? Koundé était, j'allais dire même, la capitale du Nord, avant Parakou. Avant même Niki. Mais Koundé, c'est avec Niki et Parakou aujourd'hui, le cœur de l'ère Batonou. Pour aller à Koundé, qui est une commune importante dans notre histoire, dans la vie du Bénin, il n'y a jamais eu un centimètre de goudron, comme on dit, comme on aime bien dire chez nous. C'est ça le Bénin d'hier. Aujourd'hui, le goudron est en train d'aller à Koundé. Niki, il y a eu un semblant de goudron. Cette voie a été badigeonnée. Et quand vous allez à Niki aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est tout sauf une route bitumée. Nous sommes la reprise est en cours, ça y est, nous démarrons bientôt les travaux. Il n'y aura plus une seule commune au Bénin qui ne soit reliée par le bitume.
Ce sont des progrès tangibles. Ça montre bien que le Bénin avance. L'école, tout le monde le constate, fonctionne mieux. La santé fonctionne mieux. Les microcrédits fonctionnent mieux. Le pouvoir d'achat n'a pas augmenté, mais le revenu a augmenté. La corruption. La pagaille qu'on connaissait dans, jadis, et vous vous souvenez très bien, l'ancien président, il disait avec sincérité qu'on réclame que le Bénin doit préserver sa démocratie telle qu'elle était, et il qualifiait cette démocratie de démocratie Nescafé. Ouais. Vous savez ce que ça veut dire, démocratie Nescafé? Ça veut dire une démocratie de pagaille, de corruption. C'est ça ce que ça veut dire. Ouais. Donc le président béninois, d'alors, qualifier notre démocratie d'une démocratie de pagaille, c'est-à-dire d'anarchie et de corruption. Est-ce qu'on n'avait pas, on n'a pas raison de corriger cela pour que le Bénin ne soit plus un pays de pagaille et de corruption? Non, effectivement, il y a des domaines dans lesquels le Bénin n'a pas progressé. Ouais. Lesquels? Oui, justement, parlons de ces points. De la pagaille, n'a pas progressé. De la corruption n'a pas progressé parce que le Bénin est de moins en moins corrompu et la pagaille n'est plus de ce monde. Donc tout ce qui nous caractérisait, à la limite même avec fierté, puisque certains s'en contentaient très bien, ce qui nous caractérisait, nous avons essayé de nous en débarrasser, aux grandes dames de ceux qui en profitaient. Parce que les ressources du pays étaient distribuées, chacun s'en servait à volonté, et puis après on se plaisait bien à les distribuer aux parents, aux amis et consorts, et puis ça y est, on dit l'argent circule. Mais aujourd'hui, l'argent du Bénin n'est plus volé, n'est plus distribué. Et quand j'entends l'opposition qu'on venait de dire, dire haut et fort que les gens ne mangent pas, les gens ne circulent pas, je veux leur dire que dans un pays qui progresse, dans un pays normal, chacun doit vivre de son travail. Donc il faut qu'on donne du travail à tout le monde. C'est ça que nous efforçons de faire. Construire le pays de sorte qu'il y ait de l'emploi pour tout le monde, que chacun vive de ses efforts. Et non que les politiciens volent les ressources du pays et après les distribue en jouant les mécènes, ici et là. Et vous savez très bien, quand on nomme un ministre à l'époque, quand on nomme un directeur général, il va chez lui, il fait une messe d'action de grâce. Et on chante. Je ne sais pas chanter si je vous aurais refredonné les refrains. Je crois qu'on disait, rappelez-moi cette chanson, il dit « Je suis dans la joie ». Une joie immense, parce que Papa Bonheur m'a nommé. Quand on nomme quelqu'un, ministre, ben, tout de suite il prend 10, 20 ou 30 millions dans les caisses de là où on l'a nommé, il va au village, il fait une grande messe dans la majorité de tout le monde, et puis il distribue l'argent du pays. Et impunément, c'était ça le Bénin. Est-ce que ce Bénin est toujours le même? Est-ce que ce Bénin progresse? Ce Bénin se débarrasse de ses travers? Bien oui, et nous progressons, nous travaillons, nous construisons notre pays doucement. Moi je suis fier de ce que fait le Bénin. Vous dites que le Bénin se construit, mais il y a aussi des points d'insatisfaction. Prenons par exemple le PAG. Est-ce qu'il évolue comme vous l'auriez voulu? Je dois vous l'avouer, le rythme ne me satisfait pas assez parce que je suis quelqu'un, je suis un perfectionniste. Je suis impatient dans la vie en général. Et j'aurais bien voulu que les choses aillent plus vite. Mais nous venons de si loin. Nous venons de si loin que aller plus vite peut relever de l'utopie. Le Bénin n'est pas si riche que ça, nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de diamants, nous n'avons pas de forêts que nous vendons. Mais nous vivons de nos efforts, de nos économies, de ce que chaque Béninois met dans la caisse de l'État. Et aujourd'hui, c'est avec ça que nous parvenons à améliorer nos infrastructures, à satisfaire nos besoins essentiels. Et nous avons connu, le monde a connu Covid, la guerre en Ukraine est en cours. Aujourd'hui, il y a d'autres foyers de tension. Les taux d'intérêt ont augmenté partout dans le monde. Donc, nous sommes dans un environnement plus difficile et tous les pays du monde vivent cet environnement-là. Vous avez vu en Amérique du Sud, la situation en Argentine et autres, qui est quand même très, très difficile. Mais est-ce que le Bénin, dans ce contexte global si difficile, parvient à avancer mieux que les autres? Parfois, pour savoir si on avance, il faut regarder ce qui se passe derrière soi, pour savoir si on avance. Et je pense que dans le contexte global, le Bénin fait beaucoup d'efforts, le Bénin n'est pas dans une situation aussi chaotique que d'autres. C'est ça qui nous permet de dire, le monde va mal, c'est difficile, les conditions de vie sont pénibles. Et malgré tout, le Bénin parvient tout doucement à tirer son épingle du jeu. Et c'est pour ça que tout le monde nous envie. C'est pas parce que le Bénin est un paradis déjà, et que tout le monde vit très bien, tout le monde a le pain quotidien, que nous sommes enviés. C'est parce que nous résistons mieux, nous faisons beaucoup plus d'efforts que les autres, et nos efforts payent, et ça se voit, tout le monde le voit. Donc, certes,
nous n'avons pas encore atteint le plein emploi au Bénin. Le pouvoir d'achat n'est pas à un niveau satisfaisant. Mais si nous continuons à ce rythme-là, dans les 5, 10, 15, 20 années à venir, nous allons atteindre notre objectif. Il y aura le plein emploi au Bénin. Le pouvoir d'achat sera suffisamment élevé pour satisfaire nos besoins essentiels. Et nous constaterons, en faisant le bilan, que le Bénin a progressé, que le Bénin va bien, que le Bénin a corrigé ses travers, et que ceux qui aujourd'hui chantent un passé qu'ils regrettent, ils font la gloire d'un passé qu'ils regrettent, c'est plutôt un passé de chaos. Et ça, on ne peut pas souhaiter que le Bénin retourne à ce stade-là, quand on aime son pays, quand on s'aime soi-même. Oui. Alors, Monsieur le Président, vous l'avez rappelé, le rythme auquel le PAG il avance, il ne vous convient pas visiblement, mais dans un contexte de dernier mandat, où dans votre équipe, le cœur bat déjà pour l'après-talon, est-on encore entièrement dévoué et mobilisé autour du PAG? Je le constate bien. Hein. Moi, je n'ai pas l'impression que l'ardeur a baissé et que mes collaborateurs les plus proches font moins d'efforts parce que nous sommes dans la dernière ligne droite. Au contraire, je vois que les gens sont épuisés, c'est vrai, parce qu'on leur en demande beaucoup, le pays leur en demande beaucoup, et moi je suis très exigeant. Mais, bien que les gens, et c'est que c'est légitime, hein, tout le monde, bien que tout le monde ait les yeux rivés déjà un petit peu sur l'avenir du pays, sur 2026, qu'est-ce qui va se passer, et qui vont être les dirigeants demain, c'est une question légitime. À laquelle tout le monde pense un petit peu. Mais cela, pour autant, n'a pas émoussé l'ardeur de ceux qui sont à la tâche. Moi, j'ai bien le sentiment, et c'est ce que je vois, je constate, qu'il n'y a pas de faiblissement des efforts qui sont produits par les uns et les autres. En tout cas, tout au moins en ce qui concerne l'administration, les divers responsables au plus haut niveau qui conduisent la mise en œuvre du PAG avec moi. Donc, je veux vous rassurer que... la fin du mandat qui s'annonce, normal d'ailleurs, tout finit bien un jour, n'a pas du tout émoussé l'ardeur des uns et des autres. Alors votre équipe est à la tâche, vous l'assurez, mais on sent bien dans le landerneau politique qu'il y a de l'échauffement, notamment parmi vos soutiens. Parlons par exemple de la tendance à la suscitation de candidatures pour 2026. Dans ce registre-là, on voit particulièrement actifs les soutiens de votre ami Olivier Bocor à travers la dynamique OB26. Alors, cela a semble-t-il valu à l'un de vos ministres une démission? Vous savez, comme je viens de vous le dire, cela me paraît bien légitime qu'il y ait une attention particulière sur 2026, parce que 2026 va arriver, même si c'est dans encore 2 ans. Et la vie politique, la compétition politique rythme notre vie au quotidien. L'avenir, pareil, est rythmé aussi, tout ce qui vient devant, rythmé aussi par les échéances politiques. Donc c'est tout à fait normal, tout à fait évident que certains se dépêchent déjà de s'imaginer quelle va être la bonne succession. Mais ce n'était pas bien que des responsables politiques de haut niveau, membres du gouvernement, qui ont été acteurs de la réforme du système partisan. Parce que nous avons tous noté que le système partisan tel qu'il était et le modèle politique dans lequel nous étions, le modèle de compétition politique, ne permettait pas la bonne gouvernance et occupait les uns les autres constamment dans l'arène politique au détriment de la gouvernance du pays. Et nous avons dit également qu'il fallait réduire l'envergure des chapelles politiques pour qu'il y ait plutôt de la cohérence dans l'action de gouvernance de ceux qui accèdent au pouvoir. Aujourd'hui, cette réforme est un succès. Nous avons vu qu'il y a moins de partis politiques, les groupes sont plus homogènes. L'Assemblée nationale aujourd'hui comporte 3 partis politiques et si les choses continuent ainsi, nous aurons à l'avenir peut-être maximum 4 ou 5 grands partis au plus au Parlement et en développement. Alors, aujourd'hui, aucun parti politique ne s'est encore lancé dans le choix des candidats. Ni le Bloc républicain, ni l'Union progressiste, ni les démocrates, ni le FCBE, autre encore. Personne n'a encore fait ça. Et les organes des partis n'ont pas encore ouvert la compétition à leur sein. Et comment on peut voir quelqu'un qui a été au cœur de la réforme, notamment le ministre auquel vous faites allusion,
ignorer son parti politique, ignorer cette réforme, ignorer cette bonne disposition qui aujourd'hui gouverne notre pays en matière politique, et commencer à faire la promotion d'un candidat, son candidat à lui, ce qu'il estime être peut-être le meilleur candidat pour lui pour 2026, au mépris de tout ce que nous sommes en train de bâtir ensemble. Et c'est bien pour ça que je l'ai rappelé à l'ordre. Mais est-ce que cela n'est pas légitime? Qu'il faut préserver nos petits acquis qui sont en train de se renforcer. Donc pour moi, le moment n'est pas encore arrivé. Les partis n'ont pas encore ouvert la compétition. Laissons-leur le temps d'ouvrir la compétition. Et ceux qui sont candidats vont faire la course au sein de leurs organes politiques. Mais il n'y aura pas de candidat au Bénin sans les partis politiques à l'avenir. Ce sont eux qui vont décider, qui vont adouber les candidats. Leurs élus vont donner les parrainages. Et il faut souhaiter que ce soit ainsi, pour qu'il y ait de l'ordre, qu'il y ait de la discipline, que le pays fonctionne conformément à une ligne directrice. Oui. Donc, il ne faut pas permettre cela. Vous avez parlé de mon ami, Olivier Bocco. Oui. Moi, je ne sais pas s'il est candidat. Je ne sais pas. Il ne vous l'a pas dit? D'abord, le moment n'est pas arrivé. Deuxièmement, je ne suis pas du genre à faire la promotion de ma famille, de mes amis, de mes proches en matière politique. Ce n'est pas mon genre. Ce ne sont pas ce genre de critères qui vont déterminer, moi, mon choix pour la promotion d'un tel ou tel candidat. C'est pour vous dire que je ne suis pas dans un tel schéma, mais je suis à égale distance de tout le monde. On verra bien qu'est-ce que les partis vont décider demain ou après-demain en ce qui concerne les candidatures qu'ils vont promouvoir en 2026. Mais est-ce si facile pour un président comme vous, qui êtes en fin de mandat, de rester vraiment à égale distance de tout le monde? Est-ce que vous-même, il vous arrive d'avoir certaines appréhensions quant à l'après-talon? La responsabilité me l'impose de rester serein, à égale distance, et de participer au renforcement de ce que nous avons mis en place comme nouvelle dynamique politique. Ce n'est pas évident, parce que nous sommes des humains, on a nos sentiments, on a notre affection personnelle, mais qui sont des choses qu'il faut parvenir à étouffer quand on assume des responsabilités comme la mienne. Et ça, je sais le faire. Et c'est pour ça que je ferai tout. Je ne serai pas inactif, ça je peux vous l'avouer. Je ne serai pas inactif. Vous serez actif à partir de... Je serai actif parce que je suis un citoyen béninois, je veux que mon pays progresse, je veux que mon pays avance, je ne vais pas dire après moi le chaos. Donc je serai actif pour que la suite soit dans l'idéal que nous sommes en train de bâtir ensemble. Et les Béninois aussi, comme vous, voudraient bien que le pays continue de progresser, n'est-ce pas? Donc nous serons tous actifs pour que la suite se passe, sinon mieux que ce qu'on voit aujourd'hui. Mon souhait est que le Bénin progresse, que demain soit meilleur à aujourd'hui et qu'on constate tous que le meilleur est à venir. Et ma foi, c'est celle-là. Pour le Bénin, le meilleur est à venir. Ouais. Et donc, je n'ai pas beaucoup d'appréhension. Je crois que le Bénin a une âme, que le Bénin va bien maintenant, qu'il ira de plus en plus bien ou mieux et que la suite sera encore meilleure à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, ouais. Je n'ai pas d'appréhension, je suis certain. D'accord. Et nous allons tous œuvrer pour cela. Ouais. Alors, mais comment pouvez-vous être certain, Monsieur le Président, que votre successeur, il n'ait pas, par exemple, seulement le sens théorique des choses, mais aussi le sens pratique, le sens des résultats comme vous? Comment vous assurer qu'il soit tout autant motivé que vous? Et pourquoi pas plus? Ah ouais. Pourquoi même pas plus? Pourquoi? Quand moi j'arrivais dans la fonction, peu de gens croyaient que je serais en mesure d'impulser tant d'énergie. Parce que le Bénin est riche par ses talents, par l'engagement des uns et des autres, par la volonté des uns et des autres. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas progressé pendant 60 ans, à ce rythme-là, que les Béninois n'ont pas le potentiel. C'est parce qu'il fallait un déclic. Je crois que j'ai été celui qui a simplement allumé le moteur. Et ce que nous faisons relève aujourd'hui de la prise de responsabilité, de la conscience que chacun a prise, et chacun donne le meilleur de lui-même dans son domaine. Il n'y a pas de raison que cela ne continue. Donc je ne peux pas dire que celui qui me succédera a peu de chances de faire autant que moi en matière d'engagement, de volonté, de responsabilité. Je pense même que ce sera mieux. Parce que je pense que j'ai donné un exemple en montrant combien je mets le cœur à la tâche. Et celui qui viendra voudra faire plus que moi, autant que moi, sinon plus. Et nous verrons ce que celui que nous allons promouvoir
et que le peuple va choisir, que celui-là soit le plus indiqué possible en cette matière de volonté, de capacité, d'engagement, de compétence, d'amour pour le pays, de volonté et consorts. Et c'est pour ça que moi, je vous dis plutôt, le meilleur est à venir. Ah oui. Oui, je voudrais bien, Monsieur le Président, vous dites que cette personne-là sera choisie et qu'il faudra vraiment faire ce choix en tenant compte d'un certain nombre de critères qui lui permettraient peut-être d'aller au-delà de ce que vous avez fait. Mais à partir de quand ce choix sera-t-il fait? À partir de quand les partis politiques pourront effectivement lancer des appels pour les candidatures, selon vous? Un an, deux ans? Le rythme politique, malheureusement, n'est pas toujours compatible avec le rythme de la bonne gouvernance et de la satisfaction des obligations de ceux qui sont encore en place. C'est bien pour ça que certains ont commencé trop tôt. Donc, est-ce qu'il faut que les choses commencent dès maintenant? Je pense que non, parce qu'après, ça va capter trop l'attention des uns des autres. Je vais vous répondre, franchement, moi, il n'y a pas de sujet tabou chez moi. Je pense que les partis politiques vont avoir des discussions de coulisses, c'est certain, à partir peut-être d'ici un an et demi. Mais la fièvre politique même, ce sera peut-être 6 mois avant. Et je ne pense pas que des choses fondamentales, majeures, se décideront au sein des partis politiques plus de 6 mois avant l'échéance. Et d'ailleurs, vous savez, les acteurs politiques aussi n'aiment pas beaucoup cela. Donc la compétition, pour moi, va commencer au sein des partis politiques. Les débats, les discussions vont commencer peut-être 6 mois avant. Ce serait une bonne période. D'accord. Toujours au titre de la politique intérieure, Monsieur le Président, vous avez eu récemment des échanges avec le parti d'opposition, les démocrates. C'était le 27 novembre dernier. Au-delà du point d'accord sur l'audit de la liste électorale, quelques jours d'assises pour l'avenir, comme le demande ce parti, ne serait-il vraiment pas les bienvenus? Ou pensez-vous que c'est du temps perdu, Monsieur le Président? Moi, je n'ai pas compris ce que les démocrates appellent assises. Ils ont des préoccupations. Et parce qu'eux, ils en ont. Ils pensent qu'il faut, arrêter le pays, il faut que tout le monde aille s'asseoir sous la palabre pour échanger sur des sujets qui, pour moi, ne présentent pas d'intérêt particulier. Le pays n'est pas en crise. Il n'y a pas de crise sociale, il n'y a pas de crise politique. La démocratie fonctionne de mieux en mieux. Et je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce qu'ils voulaient dire parti à l'Assise nationale. Ils ont évoqué 2 problèmes. Vous avez suivi l'entretien avec les démocrates. Ouais. Ils ont évoqué la nécessité d'auditer la liste électorale pour donner l'assurance à tout le monde que la liste est normale, convenable et qu'il n'y a pas de tripatuage. C'est même pas qu'on sera pu se faire. J'ai donné mon accord. Est-ce qu'il fallait des assises pour qu'on donne satisfaction à une telle demande? J'ai même dit que l'État financerait le coût de cet audit et des corrections nécessaires. Et ils ont la main aujourd'hui pour trouver les experts qu'il faut pour auditer la liste librement, à la charge de l'État. Sauf s'ils décident de financer eux-mêmes, ce serait bien. Le Bénin les remercierait. Pour ça, il n'y a pas besoin d'assises. Alors, quel est l'autre sujet qui constitue une crise ou l'intérêt d'une assise nationale, sauf à souhaiter qu'on se rassemble, qu'on se taquine, comme on a pu l'observer. Je vais dire, Monsieur le Président, vous avez entendu, il me dira, les autres me diront, je n'ai pas entendu, ça va amuser nos concitoyens. Et puis, bon, non, on ne va pas faire des assises pour ce genre de choses. Il faut être sérieux. Et j'estime qu'il n'y a pas de crise, il n'y a pas de problème qui nécessiterait que nous rentrons dans une telle démarche, en général, destinée de manière grave, sérieuse, à rassembler les citoyens autour d'une situation qui mérite qu'il y ait une pause et qu'on discute. Ce n'est pas le cas. À l'occasion de ces échanges, on vous a vu opposer un refus à la demande d'amnistie en faveur d'acteurs politiques en prison ou se considérant comme exilés. Un nom de principe que certains ont du mal à comprendre, Monsieur le Président. Et rappelle que vous-même, vous en avez bénéficié. Vous avez bénéficié donc du pardon de votre prédécesseur il y a quelques années. Qu'en dites-vous? Bon, cela m'amuse. Cela m'amuse. La chute de votre question m'amuse beaucoup. Parce que j'ai entendu dire ici et là, Patrice Talon, lui-même a bénéficié du pardon de du prédécesseur. Et puis aujourd'hui, il refuse le pardon à des exilés politiques ou à des condamnés politiques. Vous voulez savoir, vraiment? Bien sûr. Alors moi, je vais demander.
Parce qu'il est important que les Béninois, le peuple béninois, sache ce qui se passe parfois au sommet de l'État, au niveau des bureaux de responsables, à qui ils confient pour un temps notre destin commun. Et je vais demander à mon aîné, au président Yahya Boni, mon prédécesseur, d'accepter que nous ayons des discussions. On va faire ce qu'on appelle la tchakoudji, sous la bras palabre. Et on va s'asseoir avec certains, puis on va parler, on va faire l'histoire, de rappeler les faits qui se sont passés à cette époque, notamment lui et moi, mais qui ne sont pas des choses qui concernent vraiment le Bénin, parce que ça a été un conflit entre deux personnes. Et ça, je l'ai rappelé un peu en 2016. Parce que des personnes qui ont été amies, j'ai été le soutien du président Yahya Boni, après on ne s'entendait plus sur la façon dont le pays fonctionnait, sur la gouvernance du pays et sur la projection politique. Et cela a tellement abîmé nos relations que cela a été l'occasion d'une tragique comédie entre deux hommes, mais qui a amusé le pays, mais qui a inquiété également le pays. Dieu merci, les choses ne sont pas allées plus loin que ce théâtre qu'il y a eu. Donc, je vais vous dire, moi, personne ne m'a pardonné, de rien du tout. Il y a eu, vous savez, une procédure judiciaire ici contre moi. On l'a, notamment en ce qui concerne les accusations dont j'ai été objet une fois que je suis parti du pays. Je suis parti du pays parce que, je vais vous le dire, je vais ouvrir une brèche. En entendant ce Atakbodi, en entendant cette discussion sur la barre palable, où on va mettre tout ça sur la place publique, devant les concitoyens, pour que les gens comprennent. Il y a eu une conférence de presse d'un certain maître Agbo, le 18 septembre 2012, je crois. Et maître Agbo aurait dit, je n'ai pas suivi la conférence de presse, j'étais à un dîner, c'était le jour anniversaire d'un ami qui m'a invité à un dîner, et j'ai appris plus tard. À cette conférence de presse, il aurait dit, ce monsieur, que le président Yahya Boni passerait sur les cadavres des Béninois pour un troisième mandat ou pour continuer ce qui se fait. Et que le pays allait très mal et qu'il fallait au moment opportun que le régime plie ses bagages et qu'on chante autre chose. Et le président d'alors a dit ou a compris ou a décrété ou a imaginé que je suis à la base de cette conférence de presse, que c'est moi qui aurais commandité cette conférence de presse. Et le lendemain, il était à Abuja, je vais vous le dire, a instruit le service d'État, de défense et sécurité, par la justice, d'aller me chercher. Et quelqu'un, parmi ceux qui ont été instruits, m'a appelé, m'a dit, Monsieur Talon, nous savons que vous êtes un peu de nature casse-cou, téméraire, mais cette fois-ci c'est sérieux. Nous avons été instruits pour aller vous chercher, par tous les moyens, quitter le pays. Quitter le pays, ne soyez pas suicidaire. J'ai informé mon épouse, j'ai dit, moi, je ne suis pas un fuyard. Je vais voir ce qui va se passer. Mon épouse m'a dit, Patrice, debout hors du pays, tu feras le combat. Mais sous terre, non. Ce n'est plus possible. Alors, tu ne feras pas le con. Comme je suis quelqu'un d'assez... Parfois, certaines personnes, quand elles parlent, elles me donnent des recommandations. Je suis docile, comme on dit. Je suis parti. Et puis, ça me suivit tout ce que vous savez. Tentative de coup d'État, d'assassinat, d'empoisonnement et tout le reste. Je vous passe des détails, parce qu'on va en parler le jour du Atakbodi. Et puis, vous y tenez visiblement. Moi, j'y tiens, parce que c'est bon que les Béninois sachent enfin les détails de cette comédie-là, qui continue d'ailleurs de polluer l'atmosphère. La justice de mon pays a dit que nos lieux, tous ont été accusés, n'avaient jamais existé. Même si les juges à l'époque, qui étaient quand même sous ordre, ont cherché par tous les moyens a prouvé que Talon a eu l'intention, a voulu faire, mais en fin de compte, ça ne s'est pas passé, il n'a pas fait, qu'on soit bref. Et il y a eu un non-lieu. Je n'ai été reconnu coupable de rien du tout. En France, pareil. Mais comme j'étais actif politiquement, mon prédécesseur, le président Yahya Boni, a souhaité qu'on fasse la paix.
n'est pas moi qui ai sollicité une paix. Moi qui ai sollicité la réconciliation de deux hommes. Bien que je sois un homme de paix, de réconciliation. Mais l'initiative ne vient pas de moi. Et le président, ancien président du Sénégal, le président Diouf, qui était secrétaire général de la francophonie, a été appelé, on lui a demandé, j'étais à Paris, de m'appeler et de me demander qu'il faut qu'il y ait la paix entre mon aîné et moi. Mais qui refuse de faire la paix? Je suis allé à la convocation du président Abdou Diouf. Et il m'a dit, il faut que, jeune homme, il faut que tu fasses la paix avec ton aîné. J'ai dit, mais moi je veux bien, je n'ai jamais fait la guerre à personne. Et c'est cela qui a donné lieu à des échanges du genre. Et puis on vous dit, vous savez, en Afrique, quand on vous dit, même si tu n'as rien fait à quelqu'un, dis pardon, demande pardon, demande excuse de tout ce qui a pu. Tu veux dire, je n'ai fait rien à personne, je suis condamné pour rien, je suis accusé de rien. Je n'ai pas à demander quoi que ce soit. Mais, in fine, c'est faire preuve de rancœur que de ne pas dire à son protagoniste, écoute, si j'ai pu t'offenser, si j'ai pu te faire du tort en quoi que ce soit, si j'ai pu en quoi que ce soit, alors je le regrette. C'est une forme élégante de dire je suis prêt pour la paix sans dire je ne suis coupable de rien. Parce que, vous savez, vous pouvez offenser quelqu'un juste parce que vous êtes une embûche, un obstacle à ses ambitions. Ou bien la personne a pensé que vous l'avez méprisé. Donc quand on veut faire la paix vraiment, c'est une formule consacrée. Et quand vous êtes à la presse, allez chercher les documents qui ont été publiés à l'époque, par lesquels Talon aurait dit « Ok, on fait la paix » et lisez, vous allez voir ce qui a été dit. Je n'oublie pas ces choses-là. Et j'ai dit, si j'ai pu vous faire du tort, du mal, de quelle manière que ce soit, alors là, je le regrette. Mais je suis un ami, mon aîné, président de mon pays. Ouais. Donc moi, je n'ai jamais demandé que Yabou me pardonne de quoi que ce soit, et il m'a pardonné de rien du tout. Je n'ai rien fait, puisque je suis condamné pour rien, et rien du tout. Ouais. Alors comment on peut faire l'amalgame entre ce théâtre, qui est né d'un conflit entre deux personnes, faire l'amalgame avec une situation grave dans le pays dans lequel nous sommes, où des gens ont commis des crimes, des détournements, engagé des tueurs à gages pour tuer des gens, pour engendrer une insurrection dans le pays afin que des élections n'aient pas lieu. Et puis on me demande, les gens ont été condamnés, et on me demande de les amnistier. Ce n'est pas amnistier une personne, parce que peut-être que vous, les Béninois ne savent pas exactement combien ils sont. Le contenu de ce que demandent les démocrates, qu'ils demandent d'ailleurs même pour moi sans sincérité, ils n'y croient pas, parce qu'ils demandent quelque chose qui n'est même pas possible techniquement. Voilà, Ricky Amadougou a été condamnée parce qu'elle a commandité l'assassinat de l'ancien maire de Parakou et ses complices ont été arrêtés, sont passés aux aveux, on a vu les traces, on a vu des traces, des échanges par lesquels les gens ont été payés, mandatés pour commettre un assassinat. Quand il n'était pas une femme. Et la justice est allée à son terme, la personne a été condamnée. D'autres personnes ont été condamnées pour trafic de drogue. D'autres ont été condamnées pour détournement de fonds publics. Et certains sont partis du pays, n'ont pas répondu à la justice, et ont dit il faut amnistier tout ce monde-là, chacun en ce qu'il a fait. Donc, on va amnistier Amadougou pour avoir commandité l'assassinat de gens pour créer une insurrection dans le pays. On va amnistier M. Tan pour trafic de drogue. On va amnistier M. Tan pour détournement de fonds publics. On va amnistier Tan pour telle chose. Donc, on va sélectionner certains délits commis dans des champs différents. Et on va mettre tout ça pour dire, tout ce monde-là, on va les sélectionner par tête de client, comme on dit. Et on va dire, tout ce monde-là, on les amnistie. Mais les autres 15 000 Béninois qui ont commis des délits moins graves ou de même nature, qui sont en prison, on les laisse et on sélectionne comme ça. Pierre, Paul, Jacques, Fatouma et consorts, et puis on dit, ceux-là, il faut les amnistier. Dans quel pays ça se passe? On peut amnistier pour un événement particulier, un fait particulier, comme on l'a fait en 2019. Il y a eu une situation grave, tous ceux qui ont été impliqués ont été amnistiés. Moi, je veux bien que techniquement, on me demande, Monsieur le Président,
Il faut amnistier toutes les personnes qui ont été coupables ou impliquées dans un événement, dans un fait particulier qui a été une crise au Bénin, comme en 2019. Et on peut décider de le faire. Mais comment on peut ne pas être dans cette démarche et dire que, pourvu que la personne ait été politique, ait été l'amie d'un politicien, ait été le parent ou la copine, la maîtresse d'un politique, quel que soit le délit pour lequel la personne a été condamnée, il faut l'amnistier. Techniquement, ce n'est même pas possible. Donc je vais finir. D'accord, Monsieur le Président. Même au Parlement, si même le Parlement était à 100% démocrate, écoutez-moi bien, si le Parlement était 100% démocrate, une telle loi ne peut pas être votée. Ah oui. Une telle demande d'amnistie, c'est impossible. On ne peut pas choisir, comme ça, sélectionner 10, 20, 30 personnes dans le pays et dire ceux-là, on les amnistie de tout ce qu'ils ont fait, quel que soit ce qu'ils ont fait, ce n'est pas possible. Voilà donc ce que la demande. C'est une demande folklorique. C'est une demande politicienne. Et ceux qui sont avisés savent très bien que ce n'est pas possible de donner une suite à une telle demande. Et puis maintenant, on fait l'amalgame. On dit, Talon refuse de pardonner. Moi, je ne gouverne pas avec l'affect. L'affect, nous sommes tous dotés de cela. Et je gouverne avec la responsabilité, la raison que les citoyens béninois attendent de tous les responsables. Gouverner avec la raison, avec le sens de responsabilité qu'il faut. Ne pas mettre le feu à faire ça parce que tel serait mon parent, tel serait un ami, tel serait un partisan. Et ce n'est pas ça que les Béninois attendent de quelqu'un comme moi. Je vous ai dit la dernière fois, il y a des décisions que je prends qui me font beaucoup de peine, qui me donnent de la peine au cœur, mais que je prends parce que c'est l'intérêt du pays. Ouais. Et c'est pour ça que je suis accusé de tout, mais j'encaisse. J'encaisse parce que celui qui ne veut pas être vu comme ça, il ne peut pas être un bon chef. C'est peut-être cela aussi l'acceptation de la charge que vous avez depuis quelque temps. Une chose est certaine, c'est que le refus à cette demande d'amnistie, vous ne revenez pas là-dessus, Monsieur le Président. Je ne vais même pas vous dire que je refuse. D'abord, ce n'est pas moi qui vote l'amnistie. Deuxièmement, une telle demande ne peut pas prospérer. Quand même, je le voudrais, c'est impossible. Il y a la grâce présidentielle. Alors, je vais grâcer qui? Selon vous, est-ce que si vous m'avez compris, je vais grâcer qui et qui? Rick Amadougou. D'accord, je la gracie. Ça s'arrête là alors. Donc, il n'y a pas lieu de gracier à Ivo. Il n'y a pas lieu de gracier à Javon. Il n'y a pas lieu de gracier qui encore? C'est pas Lialis Oglou. Tous ceux qui ont eu une casquette politique, quelque chose qu'ils ont fait, il faut les gracier. Donc, ceux qui sont condamnés, parce que je ne peux gracier que les gens qui sont condamnés. Donc, quelle est la demande réelle? Si c'était vous, madame, dites-moi. Vous voulez que je grâcie qui? Si c'est une personne, d'accord. Mais ils disent que non, ce n'est pas la seule personne. Parce que même si on est dans un piège, ouais. Pourquoi vont-ils demander la grâce pour une personne? Parce que cette personne est de leur parti politique. Mais il y a d'autres de leur parti politique également qui sont concernés. Donc, ils ne peuvent pas demander la grâce ou l'amnistie pour une seule personne. On va dire, ah bon, ce parti est au service d'une seule personne et pas les autres. Alors, je vous pose la question. Si vous voulez défendre la cause des démocrates, vous me demanderez de grâcier qui? Ce sera une, ce sera deux, ce sera trois, ce sera dix, ce sera combien de personnes? C'est à vous qu'il pose la question. Non, moi, je n'ai pas compris la question, moi. Je n'ai pas compris. Et je souhaite que vous m'éclairiez parce que vous avez la science de lire à travers les questions les vraies intentions qu'il y a derrière. Non, je ne sais même pas quelle est la demande qu'on adresse. Parce qu'il y a quelque chose qu'on dit publiquement. Mais derrière, quand on veut exprimer réellement ce qu'on veut, on constate que mais, c'est ça que vous demandez. Mais comment c'est possible? D'accord, Monsieur le Président. Alors, autre sujet soulevé par l'opposition, mais aussi par certains de vos concitoyens, c'est le dispositif de contre-mobilité érigé par la douane à nos frontières, surtout les frontières ouest pour le moment, en attendant peut-être, on ne le sait pas encore, une extension. Mais n'est-ce pas préjudiciable, Monsieur le Président, au principe constitutionnel du libéralisme économique et de la libre circulation des personnes et des biens? Là, je ne vous comprends pas. Nous avons érigé des infrastructures de contre-mobilité aux sorties anarchiques des frontières du Bénin. Ouais. En quoi cela est contraire à la libre circulation des personnes et des biens? Et tous les pays du monde contrôlent leurs frontières.
Vous savez, la Belgique et la France sont deux pays voisins. Ils sont membres de l'Union européenne. Ils ont une intégration régionale aboutie, où il y a véritable circulation des personnes et des biens. Malgré cela, les voies qui relient la Belgique et la France sont des voies connues. Et si vous y allez, vous allez voir, il y a des postes de police, de douane, qui sont, même s'ils ne arrêtent personne, mais ils sont là. C'est des voies qui sont connues parce que le juge a un problème, on sait ce qui s'est passé, on peut fermer, faire des contrôles et consorts. Donc tous les pays ont une idée très claire des voies par lesquelles on quitte le territoire pour aller dans un autre territoire, même s'il y a libre-échange entre les pays. Les gens au Bénin, chacun se lève et ouvre la voie qu'il veut. Non, il y a des centaines de milliers de voies qui relient le Bénin avec le Togo, le Nigeria, heureusement au Niger, il y a le fleuve, le Burkina. Il y a des milliers de voies, de sorte que rien ne tient. Alors, nous avons dit qu'il faut fermer ces voies-là et avoir les voies dédiées. Entre le Bénin et le Togo, s'il faut 10 voies dédiées, s'il faut 20, s'il faut 50 voies dédiées, nous discutons avec les maires, les responsables à divers niveaux pour dire, dans cette localité, quelles sont les voies qu'on va dédier à la circulation entre le Togo et le Bénin. Nous, nous avons choisi, avec les élus locaux, les voies qui doivent être dédiées aux échanges entre le Bénin et le Togo, bientôt avec le Bénin Nigeria, le Bénin le Burkina. Et le reste, qui ne sont pas donc recensés comme voies dédiées, il faut les fermer. Donc nous cherchons les moyens de bord que nous avons pour fermer ces voies qui ne sont pas reconnues comme étant voies officielles de circulation entre le Bénin et les pays voisins. C'est tout ce qui est en train d'être fait. Et on dit que... mais moi, je vous ai dit tout à l'heure une chose. Le Bénin ne sera plus un pays de démocratie d'escafé. Il ne sera plus un pays de pagaille. C'est parce que nous avons laissé prospérer ce genre de choses que Yahya Boone même dénonçait à l'époque, démocratie d'escafé, d'anarchie, qu'aujourd'hui, le fait de dire que c'est de l'anarchie, on ne peut pas continuer. On dit, ah non, pourquoi? C'est démocrate, d'ailleurs, qui se font le défenseur du retour à l'anarchie. Il ne peut pas formellement nous dire que laisser n'importe qui ouvrir n'importe quelle voie entre le Bénin et le Togo. Il ne peut pas le dire. S'il dit ça, alors ils seront disqualifiés même pour être députés, disqualifiés pour être maire, disqualifiés même pour aspirer à la fonction du président de la République. Parce qu'on ne peut pas promouvoir l'anarchie en tant que responsable dans un pays. Ce n'est pas possible. Alors, lorsque vous décidez, Monsieur le Président, d'encadrer un secteur et donc d'y mener des réformes, et que cela débouche sur la rétention, par exemple, des matières premières à transformer sur place, certains croient, à tort hein, ou à raison, que c'est pour des intérêts personnels. Est-ce, selon vous, une incompréhension de vos ambitions pour le Bénin ou leur difficulté, en fait, à s'adapter aux nouvelles pratiques et à maîtriser le circuit autour de ces produits? On va parler sa langue de bois, n'est-ce pas? Patrice Talon était un opérateur économique, était un acteur de la filière coton. Oui. N'est-ce pas, madame? N'est-ce pas, monsieur? Bien sûr, monsieur le Président. Je ne le suis plus, ce sont mes héritiers qui travaillent, qui ont pris le relais de ce que je faisais jadis. Vous savez que le coton, il était, ça fait combien? Peut-être 30 ans ou 40 ans que... Il est interdit au Bénin de sortir le coton, la matière première coton, du territoire. Parce qu'à l'époque, le Bénin a fait le choix de commencer son industrialisation par le coton, qui était la production de rente la plus importante, jusqu'au moment aujourd'hui d'ailleurs. Donc, l'État du Bénin avait construit des usines, et quand la production a commencé à exploser, l'État a demandé à des privés de venir investir au Bénin pour construire des usines d'égrenage, pour commencer la première phase de notre industrialisation. Et beaucoup de gens sont intéressés à cela. C'est à ce titre que Patrice Talon est devenu un égreneur privé. Parce que l'État a dit, venez investir dans le secteur, parce que l'État n'a pas les moyens de le faire tout seul, l'État n'est pas qualifié pour le faire tout seul. Si personne ne le fait, l'État sera obligé de le faire. Et l'État a dit à l'époque, je n'étais pas président, je n'étais pas ministre, je n'étais pas du tout même proche du pouvoir politique. Et en ce moment déjà, il a été dit haut et fort que la sortie du coton grain du territoire est interdite. Et c'est à ce titre-là qu'on dit au privé, venez vous installer,
vous aurez accès à la matière première. Construisez des usines au Bénin et vous aurez accès, l'État va vous permettre d'acheter le coton grain qui ne sortira pas du territoire national. Donc c'est une politique normale, ancienne. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Et tous les pays du monde qui veulent transformer leur matière première décident d'investir par l'État ou par le secteur privé ou faire la promotion de l'autre. Vous dites, venez investir ici. Comment voulez-vous que nos paysans produisent du coton grain, produisent du soja, produisent du riz, produisent de l'acajou, et qu'une fois qu'ils ont produit, ces produits-là partent du territoire dans des emballages pour aller nourrir les industries des autres pays du monde et créer de l'emploi dans d'autres pays du monde. Et leurs enfants sont au chômage. Et ce qu'il faut noter, c'est que ce n'est pas que le fait de vendre les produits à des exportateurs, ce n'est pas que ça leur donne tellement de richesses, tellement d'argent, qu'ils parviennent à nourrir leurs enfants, à les marier, à s'occuper des petits-enfants, à leur acheter une maison à chacun. Si rien que le fait de vendre et que le produit sorte, ça permet à ceux qui ont produit d'entretenir toute leur famille, les générations successives, je peux dire, bon, ils vont croiser les bras, les enfants, mais il y a tellement d'argent à gagner qu'on va se partager. Mais ce n'est même pas une bonne chose d'ailleurs. Donc, l'effort de ceux d'entre nous qui produisent des matières premières, cet effort a son prolongement dans l'intérêt général, dans leur propre intérêt, par leur transformation pour créer de l'emploi pour leurs enfants, pour qu'eux, ils vivent de ce qu'ils ont fait, pour que leurs efforts entraînent d'autres intérêts et que ça crée du transport, de la manutention, des usines et que le pays se développe tout doucement à partir des efforts des uns et des autres. Le pays est une chaîne. Et chaque maillon est important de l'accrocher à d'autres maillons. Le Vietnam, par exemple, qui est le premier producteur de produits transformés de cajou, a une politique d'incitation. Et les noix de cajou de toute l'Afrique vont au Vietnam. Et ils ont des milliers d'emplois dans l'industrie de transformation du cajou. Donc, leurs enfants ont du travail à partir des noix de cajou qui sont produites par nos parents ici. Est-ce que c'est une mauvaise chose de dire « Nous allons tout faire pour que des industries s'installent au Bénin pour transformer les noix de cajou également, pour que notre noix de cajou produisent des emplois ici, pour que nos enfants… » On nous reproche, les Béninois, à raison, nous reprochent de ne pas créer autant d'emplois. Mais comment on crée des emplois? C'est comme ça qu'on crée des emplois. La politique crée des emplois par les dispositions qui permettent la création d'emplois. C'est mon rôle, c'est le rôle de l'État. Est-ce que j'ai tort de souhaiter que nos matières premières soient les maillons d'une grande chaîne de services, de transformation, d'industrialisation qui fera que demain, il y aura le plein emploi au Bénin? Et c'est pour ça que nous avons dit, que ce soit le soja ou autre, nous allons faire la promotion d'une industrie au Bénin de sorte que ce soit 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 personnes, 100 000 personnes, 1 million de personnes, des millions de personnes qui auront un emploi à partir des efforts que font certains à la base. C'est ça, travailler pour un pays. C'est ça, construire un pays. C'est cela, gouverner un pays. Donc, moi, je ne fais pas attention à ceux qui veulent que le Bénin reste un pays éternellement pauvre, ceux qui veulent que le pays soit un pays de fraude, de corruption, de pagaille, de démocratie Nescafé, et que, bon, après, on se contente de dire le peu que le pays produit, on prend, on distribue aux gens, on fait des messes, et puis le pays vit de mendicité, et le pays ne se développe pas. Le Bénin va se développer, parce que c'est ça, la méthode. Ouais. C'est par ce moyen, n'inventons rien, hein. Moi, je ne suis pas un génie, je n'ai rien inventé, mais c'est ce que les autres ont fait pour développer leur pays. On va faire pareil. Alors, Monsieur le Président, l'actualité, ce n'est pas seulement au plan intérieur. Elle est aussi marquée par un sujet géopolitique sous-régional, le Niger, notre voisin qui a connu un coup d'État, c'était le 26 juillet dernier, lequel a fait réagir vivement à la communauté internationale et en particulier la CEDEAO. Et là, parlons justement de la CEDEAO, on a vu le Bénin au premier rang, ce que certains de vos concitoyens n'ont pas compris. Alors franchement, Monsieur le Président, qu'est-ce qui a motivé votre position à l'époque et est-elle toujours alignée sur celle de la CEDEAO? Mais vous savez, les autorités actuelles du Mali sont arrivées par un coup d'État. Ouais. Vous savez aussi qu'ils ont voté une nouvelle constitution
Ils ont adopté une nouvelle constitution. Ça a été revu et dans cette nouvelle constitution, approuvée, adoptée par les nouvelles autorités maliennes, le coup d'État est interdit, est un crime, imprescriptible. C'est-à-dire, si vous faites le coup d'État au Mali, 50 ans après, vous allez en répondre. On ne peut ni l'amnistier, ni gracier les auteurs. Parce que, tel qu'ils l'ont, ils l'ont formulé, ils sont arrivés par un coup d'État, mais ils reconnaissent que le coup d'État est un crime, est mauvais pour le pays. Ils le reconnaissent eux-mêmes. Alors, est-ce que dans ces conditions, pendant que les nouvelles autorités maliennes ont dit, bien que nous soyons arrivés par un coup d'État, nous disons qu'il ne faut plus jamais que le Mali connaisse un coup d'État, est-ce que pendant ce même moment, pendant qu'ils disent ça, qu'il y a eu un coup d'État au Niger, les Maliens peuvent dire, bon, chez nous c'est interdit, chez nous c'est un crime, on ne dit plus jamais, mais au Niger, on applaudit. Est-ce que le Bénin, dans ce même environnement, peut dire, c'est vrai, nous reconnaissons tous que ce n'est pas bon, que ça fait 2, 3, 4, que c'est très grave, c'est très dangereux, mais que pour le Niger, allez, bon, ce n'est pas grave, on applaudit, en espérant que ce soit le dernier. Pourquoi il n'y aurait pas un coup d'État au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, pourquoi pas? Si nous applaudissons chaque fois qu'il y a un coup d'État, en disant, espérons que ce soit le dernier. Est-ce que c'est responsable? C'est pour ça que la CEDEAO a dit, trop c'est trop. Notre attitude peut être une promotion au coup d'État. Le fait, chaque fois de dire, oh c'est pas bien, c'est dommage, c'est pas bien, bon mais c'est pas grave, on continue, c'est une façon de promouvoir le coup d'État. On ne peut pas être responsable et dire que notre cœur nous recommande de ne pas sanctionner, de ne pas réprimander ceux qui ont fait des fautes, parce que nous avons de la peine à réprimander, nous avons de la peine à condamner, nous avons de la peine à dire on sanctionne. Ne pas le faire est une faute, parce que vous faites la promotion du péché, vous faites la promotion du crime. Donc parfois on n'a pas le choix. L'attitude de la CEDEAO face au Niger, on n'avait plus le choix, parce que c'est devenu quelque chose de récurrent. Nous avons décidé, donc la CEDEAO a décidé, d'aller le plus loin possible pour dire plus jamais ça. Le plus loin possible, c'est dire que si quelqu'un le fait, voilà ce que nous allons faire. Parce que si vous dites ne plus jamais le faire, que vous ne faites rien, ce ne sera que des mots. Alors quel est le moyen par lequel nous voulons vraiment dissuader le coup d'État? Ce moyen par lequel il faut dire, cette fois-ci on va le montrer. Bien que le Niger soit le pays siamois du Bénin, pays frère du Bénin, il était impératif que nous disions, sans tenir compte du fait que c'est Pierre a raison, pas la raison, Pierre le meilleur, moi je ne sais pas si les prochains dirigeants du Niger seront meilleurs que ceux d'hier. Je ne présume pas de cela. Et ce n'est pas le fait que Bazoum soit un ami que je dis qu'il ne doit pas quitter le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Je dis simplement pour le principe, ça ne doit pas se passer ainsi. Et la communauté internationale, y compris donc la CEDEAO, a décidé de sanctionner, de dire que le bien peut être rétabli par la force. Le mal peut être combattu par la force. Le fait de dire que nous pourrions y aller par la force, c'est pour dire que si c'est un mal absolu, qu'il faut combattre, nous sommes prêts à le combattre le mal même par la force. C'est ça la responsabilité d'un chef, d'un chef d'État. Mais ça ne veut pas dire que dans notre cœur, nous le souhaitions. Ça ne veut pas dire que qui veut faire la guerre par le cœur lui-même? Qui? Envoyer ses enfants au front pour juste pour le plaisir? Ça n'existe pas, ça. Donc, le message et la position de la CEDEAO, qui est également la position du Bénin, c'était le seul moyen dont nous disposions pour dire plus jamais ça. Mais personne n'avait l'intention, vraiment l'intention, que les choses dégénèrent. Nous avons, par nos moyens, fait tout ce qu'on voulait pour que cela soit acté, compris par tout le monde, y compris hors du Niger. Mais au constat, bien que nous avons fait tout ça, voilà la situation, ça a duré des mois, et les sanctions créent des dommages graves à nos frères et sœurs du Niger. Est-ce que nous allons dire éternellement que ça se va rester ainsi? La responsabilité nous recommande également d'être réalistes. Nous ne sommes pas Dieu. Nous avons pu faire ce qui est de notre devoir,
Après, la nature décide, Dieu décide. L'homme propose, Dieu dispose. La situation du Niger aujourd'hui, telle qu'elle est, elle s'impose à nous. Un responsable, sérieux, doit faire le constat et dire ce qui s'impose à moi. J'ai tout fait pour que ce soit autrement, je prends acte. C'est la situation dans laquelle nous sommes dans une région et c'est ma situation. Et je dis, le temps de la condamnation, de l'exigence, des menaces est passé. Malheureusement, ça n'a pas produit l'effet qu'on souhaite, mais le peu d'effet qu'il y a eu, pour moi aujourd'hui, est peut-être suffisant pour dissuader d'autres coups d'État. Parce que quand même, tout le monde a vu quand même que nous avons porté l'idéal le plus loin possible. Et je vais espérer que même si on n'a pas eu les effets escomptés, que notre position, notre exigence, peut être vue comme désormais l'exigence de la CEDEAO, que nous n'allons plus passer le temps simplement à dire « c'est pas bien, mais on tourne la page ». C'est ça. Ouais. Et c'est pour ça que je ne rougis pas d'être dans une autre dynamique aujourd'hui, et dire qu'on discute avec ceux qui sont là, parce qu'il faut être réaliste. Et dire « bon, on fait comment ? On tourne la page, on avance, mais quelle est votre feuille de route ?» Mais qui nous dit ce qu'ils veulent ? Nous allons trouver le moyen de les accompagner. Parce que, après tout, c'est le pays qui compte, le Niger qui compte. Ouais. Et il faut être réaliste. Ça reste donc un rétropédalage. Appelez-le comme vous le souhaitez, ouais. mais si l'homme n'est pas capable de rétropédaler, alors là, il se prend pour Dieu. Je vais répéter. Si l'homme n'est pas capable de rétropédaler, de se rendre compte de ses limites, de ce qu'il a fait les efforts qu'il faut, il a fait ce qui est dans son devoir, mais que Dieu a décidé autrement, ou la nature a décidé autrement, ou que les peuples ont décidé autrement, et qu'il faut prendre acte de cela et revenir être réaliste. Si on n'est pas capable de le faire, alors on se prendrait pour Dieu, ce serait une faute. Que faites-vous de l'esprit de groupe par rapport à la CEDEAO? C'est-à-dire? Alors, par rapport au Niger, est-ce que le Bénin affiche une position isolée ou le Bénin plaide pour que l'ensemble donc, des pays de la CEDEAO s'alignent sur cette démarche? C'est la position de la CEDEAO. Celle que je viens de vous exprimer. D'accord, Monsieur le Président. Oui. Alors, restons dans la sous-région tout de même pour observer que depuis l'arrivée au pouvoir du président Tinubu, on a noté un réchauffement des relations entre le Bénin et le Nigeria. Le président Tinubu, qui était d'ailleurs l'hôte de marque de la fête nationale chez nous, vous-même êtes déjà allé au Nigeria. À quoi cela est-il dû? Et est-ce que vraiment cette embellie, elle va durer, Monsieur le Président? Oui, elle va durer. Le Bénin a connu quelques difficultés relationnelles avec le Nigeria et qui ont été exclusivement induites par l'intoxication. Vous savez, quand le Nigeria a fermé les frontières avec le Bénin, vous savez ce qui a été à la base? Ce sont des Béninois, des responsables politiques, des nostalgiques du passé, et mécontents de l'ordre et du développement qui s'opère au Bénin, qui, avec des personnalités de tous ordres extérieurs, qui sont allés dire aux autorités nigérianes que le Bénin, le régime du Bénin, est devenu un danger pour le Nigeria. Le Niger n'a pas fermé les frontières pour une cause nouvelle de dysfonctionnement de nos relations, ou bien de crise entre nos deux peuples, ou de crise entre les autorités policières, douanières ou autres, pas du tout. C'est parce que des gens sont allés intoxiquer l'ancien président Buhari pour lui dire « si vous fermez les frontières, en 3 mois, le régime Talon va tomber ». Et on lui a dit « voilà, ce régime du Bénin fait la promotion de la corruption, de la contrebande, de ceci, de cela ». Les gens ont dit ça sur leur propre pays. Juste parce qu'ils veulent faire tomber un régime. Le président Buhari m'a exprimé ses regrets. Disant, il ne m'a pas donné de détails, parce que c'est un homme responsable. Je n'ai pas de détails, mais il m'a dit, ce qui s'est passé, c'est regrettable, mais vous-même, vous ne communiquez pas assez, et vous êtes trop timoré dans les accusations qu'on vous porte et vous laissez faire. Les choses ont commencé à s'améliorer entre nous quand le président Buhari a passé la main. Et celui-ci, dans la nouvelle dynamique,
a exprimé au Bénin sa volonté de bâtir quelque chose de durable en matière de relations. Et les discussions qui sont en cours aujourd'hui avec le Nigeria sont de nature à créer une intégration réelle entre nos deux pays. Nous sommes deux pays voisins, nous partageons la même culture du sud jusqu'au nord. Et nous sommes dans la CEDEAO. La CEDEAO promeut l'intégration régionale effective. Et le Bénin, le Nigeria, je crois, nous vont être les pionniers de l'intégration réelle. Et c'est pour ça que les discussions qui sont en cours vont nous amener à opérer la réalité de la libre circulation des personnes et des biens très bientôt. Et cela va se faire. Alors, Monsieur le Président, dans quelques jours, nous entrons dans une nouvelle année. Comment l'entrevoyez-vous pour le Bénin au regard de l'évolution du monde? Est-ce qu'il nous faudra faire plus d'efforts, serrer davantage la ceinture? Pour moi, les années de difficultés, d'efforts, sont derrière nous. Pourquoi? Parce que c'est quand on n'a jamais fait d'efforts que le premier pas est difficile. Donc, nous n'allons pas continuer de dire il faut serrer la ceinture, il faut faire des efforts, parce qu'à l'époque, nous étions dans la pagaille, dans le désordre, et personne ne fait ce qui est de sa responsabilité. Je n'appelle plus ça effort, moi. La manière dont nous vivons aujourd'hui, la vie est chère, la vie est difficile, mais ce n'est pas parce que nous avons choisi de faire en sorte que les denrées coûtent cher. Donc, je ne le demande pas ça aux Béninois, je ne souhaite pas ça aux Béninois, que la vie continue d'être chère, que les difficultés continuent. Non, pas du tout. Les Béninois ont pris le pli déjà de travailler sérieusement et bien. C'était ça, la notion d'effort. Les Béninois payent leurs impôts de plus en plus. C'est ça, la notion de l'effort. Quand vous faites ce qui est de votre devoir, désormais, même si le fait de commencer de requiert un effort, quand vous êtes dedans, vous avez pris le pli, ce n'est plus un effort, ça devient ce qui est la norme. Donc nous sommes désormais dans notre fonctionnement. Le Bénin fonctionne de manière normale. Je souhaite que cela porte ses fruits le plus rapidement possible. Et que ce qui est de notre devoir, de notre responsabilité, les efforts que nous faisons de manière normale produisent des fruits assez rapidement. Et c'est à ce titre que je veux dire que pour l'année 2024, je souhaite à mes concitoyens, hommes et femmes, enfants, jeunes, des personnes âgées, je souhaite que l'année 2024 soit une année féconde, une année qui apporte les fruits de nos efforts, qui nous apporte plus de sérénité, de satisfaction, nous apporte la santé, améliore notre bien-être, et soit l'année où notre façon d'exister, de vivre, de cohabiter ensemble, soit des meilleures possibles, pour qu'il soit agréable pour les Béninois de vivre entre eux, que pour les étrangers venus au Bénin soit quelque chose d'extraordinaire, où ils vont trouver un environnement de paix, de sérénité, de convivialité, de sécurité. Et toute chose que les Béninois attendent de notre effort commun, c'est-à-dire un meilleur bien-être. Alors 2024 sera une belle année pour nous. Par la grâce de Dieu, par la grâce des membres de nos ancêtres, par la grâce de Dame Nature. Et c'est ma prière et je sais que de plus en plus, nous sommes exaucés. Donc 2024 sera pour les uns et les autres une bonne, une belle année. Et la vie sera de plus en plus belle pour les uns et les autres. Merci, Monsieur le Président. Nous arrivons au terme de cet entretien exclusif avec le chef de l'État, Monsieur le Président de la République. Merci de nous avoir reçus au Palais de la Marina. Merci et bonne fête de fin d'année.